trouvé une stabilité avec ma famille. J'aime bien les valeurs du club. Ça m'a beaucoup motivé pour re-signer ici. Depuis longtemps, je regarde l'Euroleague. Depuis 4 ans, j'y joue. C'est même pas un rêve, c'est un objectif. Ça peut être une consécration. Ça peut être une consécration. C'est énorme. C'est énorme. Le Fall d'aujourd'hui a beaucoup plus d'expérience, a quand même un peu de vécu. Quand même 4 ans en Euroleague, c'est pas 2 jours. Être numéro 1, numéro 2, pour moi, c'est pas le plus important. J'essaie juste de me donner à fond. Comme ça, on essaie de trouver les moyens de gagner. Très difficile parce qu'on a une nouvelle équipe, on a beaucoup de jeunes et c'est, l'apprentissage est un peu dur. C'est jamais évident de découvrir l'Euroleague. Donc c'est à nous de continuer de travailler, de se connaître entre nous. On n'a pas de temps parce que là on est déjà à 3 défaites et une victoire. On a besoin de victoire mais on essaie d'apprendre. Le championnat cette année, le niveau est bien élevé. Faut être prêt. Là, on l'a appris sur le début de saison. On va essayer de se concentrer sur la première partie pour pouvoir faire la Leaders Cup. Les équipes ici en France, ils te préparent une semaine à l'avance. Et nous, on n'a que 2 jours ou des fois une demi-journée pour préparer ces genres de matchs. C'est pour ça que ça rend plus dur ces genres de matchs. Et c'est à nous d'être prêts. C'est juste mental. Parce que gagner 4 fois d'affilée, personne ne l'a jamais fait. Je pense qu'on est capable de le faire. On verra bien. Mais franchement, c'est un bon défi pour nous.